Dites-moi, je sais qu'elle est connectée là, cette Malise là, elle n'est pas, je vais la fabriquer. Parce que parfois quand les gens restent tranquilles, vous pensez qu'ils sont, on a peur de vous. Bipez-moi cette Malise Epoko, et Malise Epoko. Et tous ceux qui vont avec, hein, tous ceux qui... de l'église là, parce qu'après je vais les bloquer tous. Voilà. Soit parce que les gens ne disent rien, on peut faire les fautes, que vous pensez que on a peur des taux. N'a pas peur des taux, hein, c'est par respect, hein, pour ma république. On va cela faire tout de suite. Partager, on va se la faire tout de suite. Voilà. Partager. Dès qu'on est un bon nombre là. Dès qu'on a un bon nombre là, on va lancer le live. Vous avez compris, non? Dès qu'on a un bon nombre, on va lancer le truc. Parce que, apparemment, vous m'avez oublié. Apparemment, vous avez oublié la veille de la République. Il y a l'ancienne secrétaire du boss de Douala, non? Que j'ai sauvé. L'ancienne secrétaire que j'ai sauvée, qu'on devait l'envoyer en tôle. Elle est Douala. Elle s'appelle Malise Epoko. On avait chassé. Que c'est moi qui l'avais sauvée, sinon elle descendait en Konégi, à Nubel. Elle vient défendre Eto'o et elle insulte carrément. Elle insulte carrément et elle dit que ce ne sont pas des vieilles femmes, des vieilles femmes et tout. Un vieux machin, une vieille femme à son âge qui a volé à la société, que j'ai sauvée. Elle avait envoyé son fils ici, son fils avait su ses 5 identités. Elle ment. Son compte n'a pas été piraté, c'est faux, ma chérie. Puisqu'elle vient de m'appeler. Elle vient de m'appeler. Attendez. Vous savez, moi, je suis peu menteuse, hein. Elle vient de m'appeler. Son compte n'a pas été piraté. Son compte est piraté, elle est blogueuse. Hein? Est-ce qu'on pirate n'importe quel compte? Le problème, c'est qu'elle est en train de regretter. Elle regrette pour avoir fait ce qu'elle vient de faire. Hein? Voici son numéro, non. Moi je ne l'ai même pas enregistré, c'est son numéro là. Voici son numéro. Et je vais vous montrer sa photo. C'est elle ici. C'est elle ici. Elle raconte quoi? Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre au faux profil. Attendez, mes gens, je vais un peu arranger mon vidéo. Moi, je suis une femme très, très... Moi je blague pas. Mon rideau est mal. J'ai mal fermé mon rideau. Je vais bien arranger le rideau là. Non, mais c'est pas possible. On peut pas. Une femme ne peut pas. Une femme que tu connais bien ne te laisse pas pour t'insulter. Alors qu'elle sait que elle est mille. Elle, c'est une vieille maman. C'est une vieille maman. Elle se lève pour m'insulter parce qu'elle estime que, comme des dizaines de millions de Camerounais,
On critique et ton fils. On critique et ton fils. Et toi, tu te lèves, tu viens m'insulter, que je m'acharne, tu es malade. Tu es malade dans ta tête. Et bizarrement, tu sais qui je suis. Tu me connais très bien. Tu sais que tu sais que quand tu étais dans la société que je dis là, quand j'arrivais, ton patron n'ouvrait pas la bouche. Tu le sais. Tu te lèves et tu viens, tu dis que non, elle s'acharne sur Eto. Tu es malade avec, tu es malade. On t'a dit que Eto, tous les stades qui ont été construits, les matchs qui sont organisés, tous les financements, les joueurs, tout ce qui se passe. On t'a dit que Eto fait ça avec son argent. On t'a dit que Eto fait ça avec son argent. Les Camerounais n'ont pas le droit de revendiquer la victoire. Avec tout ce qu'il nous a promis, quand ton fils devait voyager, c'était même quel pays et son fils allait dans quel pays? Bizarrement, mes gens, l'enfant de cette femme, elle n'est même pas bon madage, elle n'est même pas star. C'est que c'est moi qui ai décidé de la fabriquer. Son fils allait dans quel pays? Ce n'est pas. C'est au Zaïre. C'est dans un pays africain où il devait donc faire. Commencer l'école pour aller en Europe après parce qu'il veut être il voudrait être médecin. Ton fils pleurait le passeport ici. Vous, ces gens-là, vous êtes même comment? Ton fils est venu ici, je me suis battu avec les identités qu'il avait et il a eu son passeport. Il a voyagé. Ton fils m'appelle jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu te lèves, tu m'insultes pour être ton fils. Quand tu venais pleurer le passeport ici, ton fils, et ton fils était où? Et ton fils était où? Tu te lèves, tout le monde parle sur ton fils. Tous les vrais patriotes, les vrais républicains parlent sur ton fils. Toi, tu te lèves, c'est sur Madame Chapu que tu viens mettre ta pourrie gueule. Depuis hier, tu l'as fait. J'étais ignorée. Aujourd'hui, tu le fais encore. J'ai dit aujourd'hui, je te fabrique. Après ça, moi, je vais appeler ton ex-boss. Je vais l'appeler. Et tu sais que c'est un obtempé. Je vais l'appeler à n'importe quelle heure. Comment vous cherchez des gens qui ne vous calculent même pas? Vous cherchez des gens qui ne vous calculent pas pourquoi? Qui ignorent aujourd'hui le problème de l'équipe nationale? Et toi, et tes fourmis de votre église, là. Nathalie, je ne manquerai pas. Il va très très bien. Il est déjà monté se coucher parce que le bébé ne dort pas le soir, la nuit. Le bébé commence à dormir seulement à 4 heures. Et toute la journée, il est bien, il dort, il ne dérange pas. Mais il dérange la nuit. Donc désormais, Loïc se couche maintenant. Les deux dorment. À 20 heures, ils doivent être au lit parce que après, le bébé ne dort pas. Et tout le monde va bien. Tout le monde va très très bien. Tout le monde va bien. Comment une femme comme ça? Les gens camerounais sont énervés. Son s'élève, il dit carrément que on est on est en train de. Il a dit quel mot là? Préfabriqué. On est en train de. En fait, on est en train de. On est en reconstruction. On est en reconstruction à la CAN du Cameroun. Zéro. Reconstruction Coupe du Monde. Zéro. Reconstruction Coupe en Côte d'Ivoire. Vous reconstruisez en combien de temps? Belle Joseph Antoine a demandé que l'équipe est tombée quand pour être reconstruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te lèves et tu insultes Madame Chapuis. Ou on t'a dit que la FECAFOO, c'est pour Eto. On t'a dit, le problème, c'est que Eto a trop parlé. Il a trop promis. Il a trop fait ceci. Depuis combien de. Ça fait combien de temps? Il aurait pu déjà former une équipe, non? Il aurait pu déjà former une équipe. Lui qui a tellement d'expérience. Lui qui a tout promis. Les Camerounais doivent se taire. Sinon, vous les fourmis, vous venez vous tomber sur les gens. Toi, Malise, tu peux parler où je parle? Tu peux parler où je parle parce que toi, tu me connais. Tu es malade dans ta tête.
Et pourquoi? Elle se met là avec ses binocles aux yeux pour dire, elle ne sort pas. La qualité qui sort, c'est la qualité qui avec qui fait les partous. Sauf une vieille femme et tout. Tu regardes-moi une chose comme ça. On le ventre, les fesses au dos. Tu veux que je te lave ce soir? Idiote. Et après, elle m'appelle. Tu m'appelles pourquoi? On se connaît. Ne forme plus jamais mon numéro. Si ce n'était pas toi, tu ne m'aurais pas appelé. Voilà ton appel. Quand tu as vu que c'était grave, c'est là où tu as pris le téléphone pour m'appeler. Voici ton numéro. Voilà. Voici ton numéro ici. C'est ton numéro ici. Tu m'as appelé il y a 18 minutes. Voilà. C'est quand tu machin. C'est ton numéro ici. Comme tu dis que tu ne me connais pas. Je laisse, Franck. Je laisse ça. Non, mais dès que tu veux ouvrir la bouche, les fourmis que et toi formées pour sur les réseaux sociaux, ils se versent sur toi. Est-ce que les choses se jouent sur les réseaux sociaux? Hein? Ça ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Hein? Et que ces gens-là, mettez-vous en tête que et on n'utilise pas ces 5 francs pour faire tout ce qui se passe. Hein? Tout au côté, bouffe. Hein? Si elle était très riche, il aurait déjà enterré son père. Alors vous la bouclez. Vous bouclez-nous ça. À vie. OK? Si ton fils est votre Dieu, il serait mon Dieu. Il aurait eu cette considération si aujourd'hui le Cameroun avait fait quelque chose de mieux. Est-ce que c'est faux que quand Roger Mila était là, on n'avait jamais battu le Nigeria? Le Nigeria qui était même plus forte que l'équipe que j'ai vue hier. Vous parlez de quoi? Et quelqu'un ne peut pas s'exprimer parce qu'une vieille chose qui a envoyé son fils ici à Yaoundé, venir poireauter pour le passeport, il se lève, elle a même oublié ce que j'ai fait pour son fils. Tu as oublié ce que j'ai fait pour ton fils? Tu sais que moi, je ne jette pas mes téléphones. Hein. J'ai une cargaison de téléphones. J'ai tout simplement une chose, c'est que demain matin, je vais me rappeler que ça fait combien de temps. Et je vais prendre le téléphone et je vais retrouver et ton fils et son passeport. Le jour qu'on a fait, on a pris photo avec son passeport. Les gens comprendront pourquoi. L'ingratitude. Même si toi, tu dois venir me dire, tu es la mère des dos. Hein? Tu es sa maman. Tu te lèves pour venir insulter. Tu peux m'insulter. Toi, la petite secrétaire de merde. Tu peux m'insulter, toi. Epoko, Malise Epoko, tu peux m'insulter. Là où je m'assois, quand je m'assieds, c'est toi qui venais me servir à boire. C'est toi qui venais débarrasser quand j'avais fini de manger. Tu parles de quoi là? Tu es malade dans ta tête? Juste à tu te lèves parce qu'on est sur Facebook et tu viens dire que tu me défends souvent quand les femmes m'insultent. Tu as d'abord vu l'état des femmes qui m'insultent. Les femmes sans caleçon. Les femmes prostituées qui n'ont rien dans... qui dorment sur les draps de 10 francs. Qui t'a dit même de répondre à ces femmes? Les femmes qu'on expulse pour non-paiement de loyer. Toi, tu vas me défendre là-bas, pourquoi? Hein? Tu sais ce qui me dit défendre les gens? Je suis un conteneur de femmes. Est-ce que moi, je sais même si, quand je suis en face, vous m'avez déjà vu taguer les gens, que venez m'aider à insulter tel, ou bien venez m'aider à clasher tel, ou bien venez m'aider à faire une réplique. Vous m'avez déjà vu taguer une seule personne de ma vie, même pas Amer Kamer, mon frère. Hein? Alors que si je fais la vidéo, je dis Amer Kamer, partage. Vous m'avez déjà vu faire ça? Quelle femme sur la toile va se mettre comme ça et m'insulter? Je dis une seule, je ne dis pas deux, je dis une seule, va se mettre comme ça et je me décoiffe devant elle. Les machins que je vois là, les sales femmes, les chinoiseries des expulsés, des non-paiements, les demandeuses d'asile en France, tu es malade dans ta tête. Tu viens me manquer du respect parce que tu estimes que je m'acharne sur Eto, je m'acharne sur l'argent du Cameroun et les fausses promesses. Et lui et son les deux, je les mélange. Tu as compris aujourd'hui? Ah, c'est une impopulaire, Franck. Je ne veux, ça ne sert même à rien. Ça ne sert à rien. Toi, tu as vu que j'ai lancé le live depuis qu'il y a un autre, ou bien c'est une autre, ou bien on l'appelle qui l'appelle Kamer. On ne sait même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Elle m'attaque, ou il ou elle m'attaque.
Moi, je ne peux pas répondre. Parce que je réponds même pas au faux profil. Hein? N'importe quoi. On doit prendre le tam-tam. On doit danser parce que le Cameroun est sorti humilié. Parce que c'est étoffiste. Parce qu'on vous a versé sur la toile où on vous donne 10 000 francs, 5 000 francs par semaine pour insulter les gens. Vous êtes malade? Combien de stades? Combien de stades? Ces stades ont servi à quoi? S'il faut maintenant qu'on forme tous les gars au Cameroun, dans ces beaux stades, on les forme tout un championnat et les gars sont obligés de prendre la route pour aller traverser la mer parce qu'ils estiment quand même que quand ils vont arriver de l'autre côté, ils vont briller et c'est là où on va faire appel à eux. C'est ça que vous appelez un professionnel qui est à la tête de la FECAFOOT? N'importe quoi. Vous êtes malade ou quoi? Hein? Non, mais la femme les doigts là. Je vous dis que cette femme a plus. Non, mais Maalize Epoko, quand j'ai fini là, le jour que j'ai encore un poste et que tu viennes même commenter, donc en fait, comment on dit? Déconnecte-toi de ma page. Donc, si tu es ami à moi, quitte. Je ne veux plus jamais te voir sur ma page. Moi, je te le dis. Tu as voulu que je te fabrique. J'ai essayé un peu de te fabriquer. Malheureusement, tu n'es même pas machin. Je te sens seulement pour être office. Juste à dire que tu me défends. Tu me défends même que qui te connaît. Que Nathalie Ngacha me dise qu'elle me défend. Oui, parce qu'on la connaît sur la toile. Ce sont les followers là-bas. Que Fleur de Lille dise qu'elle me défend. La veuve joyeuse dise qu'elle me défend. Toi, tu vas dire que tu me défends, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Tu es d'abord qui? Hein? Mais genre, cette femme, c'est elle qui débarrassait quand je mangeais. Quand je mangeais dans le bureau de son patron à Douala. Cette femme que vous voyez là. Et pas n'importe quel patron. Elle se lève, tu viens m'insulter. Non, mais. Non, elle s'est insultée sur le voix et sur le machin là. Peut-être elle a effacé le commentaire. Elle a insulté, elle a dit que et ne sort pas avec les vieilles femmes. Quelle femme peut. Est-ce qu'une femme normale peut sortir avec Eto? Une femme normale. Une femme digne, une femme qui a une dignité, une femme qui a une histoire, qui veut avoir une histoire peut sortir avec Eto, fils. Et toi, c'est qui là, quoi? Quand on va à la retraite, on profite de la retraite. Hein? On mange l'argent qu'on a gardé. On est comme les belles Joseph Antoine. On est comme les Omambi. L'autre jour, j'ai vu Kanabi. Beau à croquer. Jeune tout. Quand on est en retraite, on ne part pas encore. On ne revient pas chercher l'argent et se battre avec les nationaux. Pour échouer et puis si vous aimiez Eto, vous deviez lui dire de démissionner parce que tout ce qu'on avait comme image de lui, c'est en train de s'épurer, c'est en train de se noyer. Moi je vous dis hein, Eto. Donc s'il fait mal, on ne dit rien. Est-ce que le football camerounais a déjà été aussi bas? Hein? Éternel, mon berger, c'est ça? L'église là, l'église, vous n'avez même pas honte. Dès que tu ouvres la bouche, les gars là, ils se versent sur toi, ils viennent t'insulter. Ils sont comme des fourmis sur la toile. Vous croyez qu'on ne répond pas parce qu'on a peur de vous? Moi, je ne peux pas avoir peur d'Étoffice. Moi, je suis la belle de la République. Hein? Il y a une là qui a dit que Étoffice c'était le fils de la présidence et tout et tout. Elle aussi dit que moi-même j'étais la fille de la présidence. Là où vous devez donc comprendre que c'est de la fabulation, c'est la manipulation, c'est que me voici maintenant sur Eto. Me voici sur lui. Parce que les Camerounais sont mal. Et nous, on s'occupe, on regarde seulement, on fait seulement les posts, on essaie de partager les choses pour vous interpeller que non, voilà et tout, même quand vous supportez quelqu'un, voilà ceci, cela. Toi, tu te lèves pour m'insulter. On t'a dit que c'est son argent,
S'il avait cet argent pour construire ce stade et tout et tout, tu crois que son père sera en train de faire presque un an à la morgue? Tu es malade ou quoi? Hein? Tu es malade? Quand les gens sont bouche bée, il ne faut pas les amener à parler. Hein? Non, mais. Ils sont là comme des fourmis sur la toile. Dès que tu dis et tout, on vient, on se verse sur toi. Non, mais. On vous a dit que toi, construit le stade avec son argent. Bientôt, le mandat de la FECAFOOT finit. Il aura posé quel acte? Est-ce que vous rendez même compte de ce que ce gars aurait pu faire pour cette préparation? Lui, il voit seulement les joueurs qui sont déjà de l'autre côté pour récupérer. Ces joueurs ont été préparés. Ces joueurs ont été formés. Ils sont pas nés avec le football sous le pied. Pourquoi est-on, depuis la FECAFOOT, n'a même pas, moi qui n'ai pas, comment on dit, que moi qui ne sais pas jouer, mais je suis sportive. Parce que je ne peux pas passer un jour sans faire du sport. Moi, mes gens, même moi si, le jour que je vais en salle, parce que moi je fais du tapis, le jour que je vais en salle, si à cette heure-là, je rencontre une amie qui est à côté de moi, dont les tapis sont vraiment côte à côte. Ce jour-là, je marche plus que des jours où je suis seule. Ça veut dire que le sport, c'est collectif. Ça se communique. Ça se communique. Il est président. Allez lire le poste d'Alexandre Son. Qui est le neveu de Rigobert Son? Si Alexandre Son se lève et qui dit que il y a ceux qui sont présidents et qui veulent être, qui sont en même temps coach, il s'adresse à qui? Il s'adresse politiquement à Etofis. Et pour dire que laissez mon oncle tranquille. Mon oncle n'a même pas la bouche là-dedans. Vous ne comprenez pas avec quoi? Personne n'a sa place garantie ici. Je dis, personne n'a sa place non plus garantie sur ma page. Tu fais comme je ne veux pas, je te vire. Je te bloque. Nous allons tous faire à la Etofis. Hein? On croyait que c'était une phrase pour booster les gens. Non, c'était tu fais comme je veux. Si tu ne fais pas comme je veux, je te vire. Vous n'aviez pas compris. Vous aviez applaudi quand il avait dit personne n'a sa place garantie dans l'équipe du Cameroun. Ça dit que si tu ne fais pas ce que je veux, aujourd'hui on se rend compte que c'est si tu ne fais pas ce que je veux, allez, tu es dehors. Il faut arrêter. Moi je dis que vous tous qui léchez là, c'est parce que vous vous dites que vous pouvez rencontrer et tout, demain après demain quelque part, et puis il vous donne un bien, et tu peux me donner quoi? Hein? Il peut me donner quoi? Moi je n'ai pas faim. Mais moi j'aime mon Cameroun, j'aime mon pays. Quand ça ne va pas, quand on peut insulter le Cameroun dans le monde entier. Hein? L'image du Cameroun de Roger Milla est en train de finir. L'image de Omar Biyik en 90 est en train de finir. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? On a toujours, même le président Biya a dit, qui ignore le Cameroun dans le monde entier? Non mais, on est en train de plonger, d'aller au fond, et tôt, parce que vous êtes versé sur Facebook. Ceux-là jouaient, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas les milliards de joueurs, c'était le cœur. Vous avez vu quoi sur le stade? Vous avez vu quoi au stade? Mais prenez les enfants. Les championnats servent donc à quoi? Aux enfants qui finissent à la fin du championnat, si quelqu'un qui a un peu 2,50 francs est accroché par un, il va seulement l'aider à traverser par le Maroc et tout pour arriver en France et pour espérer briller pour que Eto le fasse venir jouer ou son le fasse venir jouer. Et avec ça, vous continuez à applaudir. Mais Makanaki, on a sorti des chansons pour ces gars-là. Fichez-nous le camp. Fichez-nous la paix. Non, mais l'amour du pays s'y est parti ou non? Les Patrick Boma, non, il ne peut pas les appeler. Parce que s'il y a victoire, on a vu comment le gars-là a dansé ici à l'autre victoire. J'ai eu mal au cœur. Jusqu'il y a un autre là où c'est une femme ou un homme, Père Kamel, qui est venu dire que comme le Cameroun a gagné, on ne voit pas Mme Chapuis faire de poste. Mme Chapuis est reconnue, patriote, matin, midi, soir, par la présidence de la République.
Et c'est à ce titre que je suis invitée. Républicaine. Je dois faire un poste que le Cameroun a gagné alors que je sais que c'est le plus hasard. On doit danser parce qu'on a marqué un but ou on doit danser parce qu'on a une bonne équipe. Répondez. On ne danse pas parce qu'on a marqué un but. Hein. Mais j'ai vu votre président sauter pour un but. Non, on marque parce qu'on a une belle équipe. Non, mais on ne peut pas parler. Les gens vont se lever. On t'insulte. Oui, allez voir le gouvernement. Le gouvernement est étonné par... attends. Ouais, attends. Je regarde comment je peux te prendre. Hein? Non, mais... L'autre se lève et te ne sort pas avec. On t'a dit que je suis bordel, sale connasse qui était secrétaire. Tu veux que je cite la société où ton patron là me déchaussait quand j'arrivais. Tu veux que je cite? Quand je finissais de manger, tu débarrassais. Jusqu'à elle m'appelle. Non, Hortense, il faut laisser que les Ivoiriens nous lavent. Il faut laisser que tout le monde nous lave. De peur qu'on ne prononce pas le nom de ton fils, fichez-moi le camp. Et ton fils est nul. Il aurait été un blanc, il aurait démissionné. Parce que ça fait 3 fois sélection Coupe du Monde 0. À la CAN même sur place. Avec plus de 5 stades. Les stades de haut niveau, rien. Les hôtels, tout. Le Cameroun a mis combien? Rien. Tout est même passé. Où est le championnat? Il a sélectionné combien? Et tu devais faire le tour des championnats. Il regarde les joueurs. Il dit, voilà, il les repère. Il dit, voilà, à Machel, là, je ne connais même pas les noms des stades. J'ai repéré un là-bas. Peut-être il va sortir du championnat, peut-être avec 30 jeunes ou 20, ou 25 jeunes ou 20 jeunes même. Il dit, alors je fais une équipe interne. Il commence à les former. On met les moyens pour former cette équipe-là. Les enfants grandissent entre eux. Vous croyez que l'Égypte n'a jamais souvent perdu? Pourquoi? Combien de joueurs l'Égypte prend en dehors de leurs joueurs, même les joueurs nationaux? C'est pour ça que l'Égypte est très forte. Parce que c'est une équipe où tous, c'est-à-dire c'est les joueurs nationaux. En 4 ans, et on ne pouvait pas faire ça. Créer même une équipe parce qu'il a récupéré 1, 2, 3, 4 dans tous les matchs. Les championnats servent à quoi? Les stades là servent à quoi? Les gens ne peuvent pas parler, non? Vous allez aller prendre un à Marseille, un à Machin, un à Machin, un à Machin, vous les réunissez. Ils ont peut-être 2 semaines pour essayer de faire quelque chose. Vous croyez que moi qui suis Bamoun, l'autre qui est, je ne vais même pas parler de la langue. Quand vous réunissez, il y a combien de joueurs? Je ne sais pas, 11 joueurs. 2 semaines, ils ne se connaissent même pas, rien du tout. Vous vous attendez à quoi? Ils ne sont même pas encore professionnels en tant que tels. Au Cameroun national, où il est donc de la FECAFOOT. Le défunt Fouet Nathalie. Non, mais Pichéri, qu'on ouvre quand même les yeux. Qu'on ouvre les yeux. Et toi, gagner quelle compétition? Toute la confiance qu'on lui a donnée, on l'a surélevée, comme on dit, surélevée jusqu'au ciel. Il a donné quoi? Vous continuez, vous allez même percer le ciel. Ça sera toujours 0. Hein? C'est vous qui avez du respect pour tout ça. Moi, je n'ai pas du respect pour l'échec. Hein? Un gars normal qui a ses moyens devrait démissionner. Il va démissionner comment? Il a quoi? Et s'il a l'argent? Il n'a pas d'argent. Hein? Il n'a pas d'argent. Hein? Moi, je n'ai aucune haine contre lui. Hein. Je suis tout simplement républicaine. Hein, et je vois les choses en face. Je vois les sacrifices que le Cameroun a fait pour que le Cameroun... Vous connaissez même les projets qu'il y a au Cameroun qui ne sont pas financés. Le président Biya a financé vraiment des sacrifices pour ce stade parce qu'il sait que combien de fois les Camerounais sont attachés au football quand même. Et vous n'allez pas empêcher les gens de pleurer. Il se lève, il applaudit pour un but au hasard.
Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train d'aller à une compétition où il n'a pas une équipe. Où les gens, les gars sont habitués avec les blancs. Hein. Attendez, mes gens, attendez, je ferme ma porte et je vais mettre la clim. Non, mais. Hein? Monsieur Samuel est office. Aujourd'hui, on dit qu'on n'en est pas obéissant. Et ton fils est le. Toi qui as mis la tête de mort, je te bloque. Nadine Dengue, je te bloque. Je vais te bloquer tout de suite. Une tête de mort sur un commentaire, je te bloque. Voilà. Et comme ça, ça va aller très, très vite. Je vais faire comme votre pasteur. Personne n'a sa place ici. Une tête de mort, je te bloque. Attendez, je mets mon téléphone et tout. Et n'écrivez pas les longs, les trucs. Attendez, moi je dois bloquer cette tête de mort tout de suite. Si vous vous êtes habitué à la défaite, moi je ne suis pas habitué à la défaite, s'il vous plaît. La défaite pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Non mais, je vais bloquer toute la race tout de suite. Non mais, mes gens, vous ne pouvez pas faire que. Tous ces gars-là vivent en Europe. Tous ces gars-là vivent en Europe. Tous ces gars que vous voyez là. On en a vu en Europe. On sait qui il est. Tous ces jeunes. Et il faut voir comment les entraîneurs, les coachs causent avec eux. C'est le dialogue. Et ils arrivent ici. Non, tu dois demander pardon. C'est Dieu son père. Qui ignore comment est-ce que Etofis posait des actes dans l'équipe. Oui, il disait que s'il n'y a pas ceci, on ne bouge pas. Et aujourd'hui, tu viens demander ce que tu n'as jamais donné. On y doit demander pardon. On en a doit demander pardon. Vous êtes ses parents. Non, vous n'êtes pas ses parents. Hein? C'est le dialogue. Hein? Il n'y a pas la dictature dans les clubs européens. Et quand ils arrivent ici, ils vivent ça. Ils sont frustrés. Ils ont des choses à dire. Ils ne peuvent pas dire. Ils vont donner. Ils ne peuvent pas, dire parce qu'on va dire que si tu dis, le gars même honte que si il essaye, on va même le renvoyer et tout. Quelle image pour son club il aura? Il aura quelle image pour son club? Alors le gars est obligé de se taire. Jouer comme il peut. Parce que vous les amenez à ne même pas avoir l'obligation de résultat. Parce que si vous dites que moi je joue, on enlève un attaquant, on met un défenseur. Et l'autre va venir se mettre là avec sa barbiche. Tout ce qu'il sait faire, c'est blanchir ça. Ou bien il met le blanc en bas, ou met le noir en haut. Et la casquette sur la tête pour venir dire qu'on est en reconstruction. On est en reconstruction. Fichez le camp aux gens. La reconstruction, c'est dans les championnats. Faire comme au Mercato. Je parle au moins du peu que je connais. J'ai souvent été au Mercato. Je suis allé deux fois en Turquie, en Italie, pour voir ce que c'est que le Mercato. Il y a un jeune qui a essayé de faire ça ici au Cameroun. Où il a sélectionné les joueurs dans toutes les équipes du Cameroun. Il a amené au Mercato. Et c'est là où on récupérait les jeunes. Mais moi, je demande tout simplement qu'ils fassent la même chose et qu'ils forme cette équipe sur place au Cameroun. Et là, il peut prendre donc les bons formateurs. Comme ça, le jour où il y a une compétition, que les gars se connaissent et tout et tout. Et c'est comme ça que l'équipe grandit. Il faut arrêter. Hein? On a besoin des binationaux. Je suis d'accord. Mais mes gens, quand Eto faisait les discours ici, quand il a pris l'Africa Foot, il a parlé des championnats. Et nous étions tous contents parce qu'on se disait quand même que la base, formons mieux vaut toujours faire grandir un enfant. Pourquoi est-ce que quand les gens qui n'ont pas fait d'enfants vont adopter les bébés? Mes gens, pourquoi est-ce que, hein? Pourquoi est-ce que quand tu dois adopter un enfant, tu vas adopter le bébé, alors que le bébé est plus difficile que de prendre logiquement un enfant qui a déjà 10 ans. Parce que l'enfant qui a déjà 10 ans, il ne pisse plus au lit, il parle déjà, il s'est dit qu'il a faim, il s'est dit qu'il a mal à la tête. Mais pourquoi les gens préfèrent aller prendre le bébé au berceau, mes gens? C'est parce que c'est plus difficile, mais tu es sûr que l'enfant aura l'éducation que tu désires. Vous comprenez, mes gens?
C'est ça que je voudrais faire passer comme message. On aura toujours ce problème si on ne prend pas le temps de former, de travailler à la base. On aura toujours des problèmes, des défaites. Tant qu'on ira pêcher, ce que les autres ont déjà fait, c'est de la facilité. Et un gars comme Eto, la dimension qu'il a eue, on ne peut pas admettre qu'il s'occupe, qu'il se contente de la facilité. Retournons-nous sur dans les championnats nationaux, on repère les petits génies qui sont là, qui ne demandent qu'à être soutenus. Hein? Ouais, éternel, le jour que le football du Cameroun est mort, c'est le jour qu'on a enlevé Iya Mohamed à la FECAFOOT. Quand Iya Mohamed a quitté la FECAFOOT, c'est le jour-là que le football du Cameroun est mort. On a mis un autre mort vieux là, et qui s'appelait Seydou Njoya, que je ne sais même pas s'il peut courir, s'il pouvait même, je ne sais même pas. Depuis le départ de Iya Mohamed, c'est là où le football du Cameroun est foutu. Moi, je suis républicaine, contrairement à ce que les gens pensent. Si les injures, l'échec du Cameroun ne vous dit rien, moi, ça me dit quelque chose. Déconstruction, déconstruction, reconstruction. Oui, il dit reconstruction, oui, il dit déconstruction. Il a toujours reconstruction, oui. Il a toujours les mots français, toujours les proverbes et tout. Toujours en train de dire les proverbes et tout ça et tout ça. C'est les proverbes qui jouent. Il est nul, même pour remplacer les joueurs, même pour les remplacements. Dès qu'on fait prime la fin du match, il va au micro. C'est là où tu comprends le français et les stratégies. Eto a dit que Son va demeurer entraîneur. Son lui dit qu'il n'est même pas entraîneur, il est manager. Il dit qu'il n'est pas entraîneur. Et Eto dit là-bas que Son sera et demeurera entraîneur. Parce que c'est son béni, oui, oui, oui. Et quand vous-même vous entendez ça, ça ne vous dit rien, mes gens. Quand vous entendez ça, ça ne vous dit rien. Et on dit que Son va demeurer entraîneur. Son dit que lui n'est pas entraîneur. Il est manager. Manager. Lui manage. Lui manage. Oh Seigneur, yosh, yosh. Voilà. Et même se trahissent. Mais vous êtes seulement là. L'église. Fichez le camp. Pour moi, si je vois Etola devant moi, c'est comme si j'ai vu un vulgaire Camerounais qui ne sert à rien. Je n'ai aucune haine pour lui, mais c'est son incapacité et son refus de se remettre en question qui fait problème pour moi. 2, 3, 4, 10 personnes, 10 personnes, 100 000, 1 million, 2 millions, 100 millions ne peuvent pas dire la même chose et tu ne te remets pas en question quand même. Parce que tu as dit que tu es président de la FECAFOOT. Après le mandat, là, quand il ne peut même pas, il va démissionner, qu'il va trouver l'argent ou après. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Parce qu'un blanc aurait démissionné pour garder son image. Un blanc aurait démissionné. Un vrai Camerounais même, qui a fait des économies et qui a ses dos, il aurait démissionné. Fichez le camp. Les vrais riches sont morts. Et on les a... Ça dit que... Vraiment, hein, ne me faites pas parler. Et ça, c'est à cause de Marlies et Poco que je fais ce live. Son était perdu. Son était perdu au stade. Il enlève un attaquant et met un défenseur. Mais Jean, vous avez vu la contre-attaque. Est-ce qu'il y a eu contre-attaque dans ce match? Non, mais entre nous, je ne suis pas footballeur, mais je fais du sport. Et je regarde beaucoup de foot. On ne doit pas ouvrir la bouche. Parce qu'on m'a dit que non, tu es contre Eto. Tu en veux à Eto. Tu t'acharnes sur Eto. Regarde même une vieille chose comme ça qui dit qu'on s'acharne sur Eto. L'argent que le Cameroun a mis, au bout de 4 ans, il n'y a rien. Hein? Voilà, pas un tir cadré. Ils sont là, ils étaient... Oh,
tu sentais. Et en plus, son a eu le courage de dire que les enfants, les joueurs étaient stressés. Un coach qui dit que les joueurs étaient stressés. Non, un manager qui dit que les joueurs étaient stressés. Les joueurs sont stressés, donc pourquoi? Parce qu'on leur dit de faire ce qu'ils trouvent que ce n'est pas normal. On leur dit de faire ce qu'ils estiment que ça ne va jamais apporter la victoire. Donc les gars sont au stade, ils savent que ce qu'on nous demande de faire, on va aller droit au mur. Ça ne peut être que ça l'objet du stress. Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi les joueurs sont stressés? Parce que c'est la dictature des taux. La dictature. Parce qu'il est, il prend l'équipe du Cameroun. Il ne se rend pas compte. Hein? Et il y a Mohamed. Et que Dieu te protège où tu es par rapport ne serait-ce qu'au foot, à ce que tu nous as produit à l'Africa Foot. Franchement, à ce que tu nous as produit à l'Africa Foot. Depuis ton départ de la FECAFOOT, c'est de la merde, la merde, la merde, la merde jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont venir dire que oui, elle dit ça parce qu'elle veut que Njoya soit à la FECAFOOT. Njoya foutait quoi à la FECAFOOT? Il a foutu quoi à la FECAFOOT de bon? Il avait foutu quoi à la FECAFOOT de bon? C'est parce que vous ne me connaissez pas. Éternel. Éternel est mon berger, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit ici, sur cette toile, si j'ai dit ici, ce que j'ai dit ici, sur cette toile depuis, que Eto se bat pour l'Africa Foot parce qu'il n'a plus d'argent. Les mêmes fourmis sont venues se verser sur moi. J'ai dit, ce gars n'avait plus d'argent. Il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce que les gens sont venus dire? Vous savez ce que c'est que garder un homme de cet âge à la morgue? Un homme de cet âge est forcément un patriarche. Gardez des mois dans la glace. Vous savez ce qu'un milliardaire, quand quelqu'un est milliardaire fait, mais Jean, il prend 200 millions, 250, 300 millions, il goudronne toute la route là. En un mois et demi, la route est goudronnée. Il prend encore 5 ans, je sais pas, 100 millions. Il met un duplex. On lui donne la clé. Il prend trois architectes. Ceux qui vont construire ceci, ceux qui vont construire cela. Tout le monde travaille à la chaîne. Mais Jean, en 2 mois, tout est réglé. Tout est réglé en 2 mois quand tu es milliardaire. Et le troisième mois, on organise les obsèques dignes de ce nom. Vous parlez de quoi? Vous venez me parler de qui? Vous avez déjà vu les milliardaires? Moi, j'ai déjà vu les milliardaires. J'ai déjà vu les milliardaires. Continuez à garder les patriarches dans la glace. Vous ne savez même pas que ça porte malheur. Hein? Ça porte malheur. Hein? Hein? Parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Hein? J'ai dit à celle de Epokola qui ramassait les os de poulet là-bas au deuil de du père des taux. Parce que c'est vous qui allez faire les plantains, c'est vous qui allez laver le dolet là-bas. C'est pour ça que tu viens m'insulter. Nous, on sera là invités. On va venir s'asseoir, on croise les pieds avec les lunettes noires. C'est ça qui est ça. Mais Jean, moi, je vais aller dormir parce que je suis dégoûté. Il fallait que je fasse ce coup de gueule, que vous compreniez pourquoi mon mur sera saturé que par des postes. Vraiment les postes qui exposent quand même Etofis et son. Ça, toute cette semaine, c'est ça que je vais faire. Voilà. Il semble que la CAF n'a pas accepté l'aide de 4 ans. Ah, que je me trompe. Il est passé de 4 à 7 ans. Non, la CAF n'a pas accepté. Mon WhatsApp c'est 699. Mon WhatsApp professionnel hein, Facebook 699. Ah, et la CAF a accepté hein, 7 ans. Oh putain. Qu'est-ce que tu démissionnes? 699 45 26 56. C'est mon WhatsApp. 699 45 26 56.
Éternel est mon berger. C'est mon WhatsApp là-bas. Allez, je vous aime très, très fort. Hein. C'est la belle de la République. Vive le Cameroun. Nous restons debout. Mais nous allons toujours dénoncer quand ça ne va pas. Voilà. Parce que le Cameroun, c'est à nous. Les fonds investis pour des résultats, on devrait vraiment dénoncer. C'est tout. Je dénonce parce que je sais ce que les ces stades-là ont coûté. Je sais ce que la FECAFOOT encaisse comme argent. Je sais ce que la FECAFOOT a encaissé pour ce tournoi, pour le départ de ce tournoi en Côte d'Ivoire. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, vraiment, de grâce, fichez-nous le camp. Ce n'est pas Eto qui nous prête l'argent, là. Attendez, mon téléphone est déchargé. Ce n'est pas Ekan qui nous prête, Etofis qui nous prête l'argent, là. Vous avez compris, non? Et quand on dénonce, vous la bouclez. C'est l'argent du Cameroun, ce n'est pas l'argent d'Etofis. OK? Voilà. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est l'échec. C'est de l'argent perdu. Alors, on a le droit de revendiquer, de dénoncer ce qui ne va pas. Et quand nous dénonçons, et que les joueurs, ceux qui ont plus d'expérience que nous en matière du football, dénoncent de la même manière. Même le petit Alexandre Song, qui est le neveu direct de Rigobert Song, dénonce la même chose. Vous levez pour... Vous défendez même quoi, là? Hein? Vous défendez quoi? Allez sur mon mur, je vais continuer à publier. Dès que je vois un post d'une personne digne de ce nom, je publie, je partage. Voilà. Comme ça, ça va interpeller ce monsieur. En matière de football, il n'y a pas de dictature. Si tu me grondes et que je devais tirer au gauche, je tire en l'air parce qu'en cas d'échec, on ne va jamais accuser les joueurs. On va accuser l'équipe technique et le président de la FECAFOOT qui joue ce rôle-là. Allez, je vous aime très, très fort. Hein. Bon, voilà, moi, je vais aller, franchement, m'apprêter pour aller au lit. Bye bye. Bonne nuit.